Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que certaines attendent patiemment, je le sais. C'est pour parler de la pilule et de l'acné. Dès que j'en parle sur Instagram, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir et je sais qu'il en intéresse plus d'une. On va commencer par le commencement. Quand est-ce que j'ai commencé à prendre la pilule et pourquoi? J'ai commencé à prendre la pilule au collège. Je sais plus exactement quel âge j'avais, mais j'étais environ en 4e ou 5e par là, peut-être entre les deux. Pourquoi j'ai été mise sous pilule si tôt? Tout simplement, enfin non, c'est pas tout simplement parce que ce n'est pas normal, mais en gros, j'ai eu de l'acné, j'ai eu beaucoup d'acné pendant des mois, des années, et on a testé toutes sortes de choses, donc avec des médecins, des dermatos, etc. On a testé des antibiotiques, on a testé des crèmes, on a testé des compléments, enfin vraiment, on a tout testé, je pense, tout ce qui était possible, mais rien ne fonctionnait. Et pourtant, à chaque fois que je repartais chez le dermato avec un nouveau traitement, j'étais là, ça va marcher et tout, j'ai trop hâte d'avoir une belle peau. J'étais vraiment recouverte de boutons, j'avais vraiment énormément d'acné, c'était pas un petit acné. Et ça me complexait énormément, je pense qu'il y a que ceux qui ont eu qui peuvent comprendre. Mais c'est vraiment hyper dur à vivre, surtout à cet âge-là, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années. Ayant tout testé, ayant conclu que rien ne marchait. Mon médecin ou dermato, je sais plus trop à l'époque, nous dit avec ma mère qu'en gros, on a tout tester et que les deux seules solutions qui restent, c'est la pilule ou Roaccutane. Donc en gros, la peste ou le choléra. Qu'on se le dise, les deux, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire, comme j'ai pu avoir en DM, non, Roaccutane, c'est pas dangereux. Si, pour moi, ça reste dangereux. Je suis désolée, quand on voit tous les effets que ça peut avoir, c'est dangereux. La pilule, c'est dangereux. La preuve par la suite de la vidéo. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà à l'époque, on n'avait pas du tout de retour sur la pilule. Il n'y avait pas du tout de scandale. Il n'y avait pas de retour. On connaissait pas. Ça paraissait beaucoup plus safe que Roaccutane. Pour ma mère en tout cas, parce que mon père, ayant eu fait Roaccutane plus jeune et ayant eu quelques soucis, et même des soucis encore maintenant à cause de ce médicament, c'était catégorique, ma mère ne voulait pas que je le prenne. Donc on a dit, bah pilule. Et puis vu que c'est un médecin qui le dit, pourquoi ça serait mauvais? Donc pilule, Diane 35, pour ceux qui connaissent. Justement, je rebondis sur ça parce que j'ai vu, et après je vise personne parce que moi-même j'ai eu fait ça, de dire aux gens, ouais c'est Diane qui m'a enlevé mes boutons, etc. Mais j'ai vu tellement de vidéos de youtubeuses hyper suivies, recommandées, enfin pas recommandées, mais voilà, dire « Ah, j'ai plus de boutons parce que j'ai pris la pilule et tout. Il faut pas faire ça, il faut plus faire ça. » Je sais, je l'ai fait moi plus tôt, donc je peux pas, voilà, mais il faut pas faire ça, il faut pas écouter ça parce que oui, peut-être que ça va camoufler vos boutons à un moment, mais c'est que déjà retarder le problème. Et c'est que, en fait, la pilule pour moi c'est une bombe à retardement, c'est un poison. Franchement, il y a trop de risques, donc bref. La Diane 35, effectivement, au bout de 6 mois environ de prise, je n'ai plus du tout eu de boutons. Vraiment, j'ai une peau parfaite, comme je n'en avais jamais eu, et j'étais trop contente. Je revivais, j'étais hyper heureuse, je me sentais bien. Et puis après, il y a commencé à avoir quelques scandales autour de la Diane 35. Elle a été retirée du marché, et moi à ce moment-là, bah, je la prenais. Et je me rappelle, il y avait ma meilleure amie à l'époque, on était pareil, même acné, seule la pilule nous avait aidé, etc. Donc... En gros, quand elle a été retirée du marché, on s'est dit « Waouh, comment on va faire ?» Je sais plus, je crois qu'on avait testé une autre, mais c'était une catastrophe. Et du coup, on s'est dit « Il faut qu'on se la procure. » Donc, nous, bêtes, comme on était jeunes, insouciantes, on s'en fichait. En fait, on s'est même pas dit « Elle a été retirée du marché, il faut savoir pourquoi. » Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce que ça peut causer? Non, non, pas du tout. J'ai pas cherché une seule seconde ce que ça pouvait faire. J'ai juste cherché comment me la procurer. Donc... on l'a commandé à l'étranger, donc c'est très mal, il faut pas faire ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'était à l'époque, je regarde ça d'un œil extérieur, j'essaye de comprendre. Maintenant, plus jamais je ferai ça, mais je la commandais à l'étranger pour l'avoir. Et puis je la prenais. Et puis quelques mois, quelques années après, je sais plus trop, elle est remise sur le marché. Donc là, plus de soucis pour se la procurer. Donc me revoilà partie sous pilule, etc. Donc là, on était au collège, on passe au lycée. Et puis je crois que c'est fin du lycée où je me dis, début BTS, ouais, où je me dis... Bon, quand même, elle a été enlevée du marché, c'est vraiment quand même qu'elle peut être dangereuse. Et je me dis, bon, c'était il y a des années auparavant, bien 6 ans que tu avais de l'acné, donc peut-être que maintenant t'es plus grande, ton corps a changé, t'en auras peut-être plus, donc tu peux peut-être essayer de l'arrêter, parce que ça doit pas être très bon, sans pour autant aller chercher exactement les effets, etc., tout ce que ça peut faire. Mais voilà, je me dis, allez, on va essayer de l'arrêter. Donc j'essaye de l'arrêter, et... au bout d'un mois, plein de boutons dans le dos, alors que je n'en avais jamais eu avant. Et puis un mois après, ces boutons-là viennent sur mon visage. Et puis c'était la catastrophe. En fait, quand t'as connu ce que c'était, puis
tu as été libérée, puis que tu rechoppes tout, tu te dis non, c'est pas possible. Surtout que pour toi, la solution, c'est juste ce petit truc. Donc tu dis, allez, c'est pas grave, je le reprends. Donc me revoilà reparti. Alors par contre, l'acné met un mois à revenir, mais qu'on se le dise, il met bien au moins 6 mois à repartir. Me voilà à attendre, 6 mois après, tout s'en va à nouveau, donc me voilà soulagée. Je reprends ma petite vie, etc. Puis, quelques années encore après, puisque c'était bien après le BTS, je pars pour la Thaïlande. Donc, je pars en Thaïlande, etc. C'était trop bien à ce moment-là. Je voyageais de ouf et j'ai fait des pays vraiment magnifiques. Je reviens de Thaïlande et en fait, il fallait qu'une semaine après, je parte à Los Angeles pour un événement avec Puma. Et c'était vraiment pas longtemps. On est resté, je crois, 5 jours. J'étais avec Roxane. Et en fait, arrivé à Los Angeles, je lui dis, regarde, j'ai mal. Donc, c'était à la cheville. Enfin, ouais, vers la cheville. Je lui montre et j'ai l'impression d'avoir comme un petit bleu. En fait, je savais pas ce que c'était. J'ai dit pourtant, je crois pas que je me suis cognée. Enfin, c'est bizarre et tout. Et puis ça part pas. Et c'est depuis que je suis revenue en France et ça part pas. Donc elle regarde, elle dit ouais, effectivement bizarre. De toute façon, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire? J'ai l'impression que c'était un bleu. Donc bref, on attend. Me voilà retournée en France. J'attends quelques jours et puis je me rappelle, je sais plus quel jour c'était, mais en fait une nuit ça me lançait vraiment, ça m'empêchait de dormir. Puis ça avait gonflé un peu. Et en fait, le lendemain matin, j'arrivais même plus limite à poser mon pied par terre. Et du coup, j'appelle ma mère, je lui dis ça va pas. Elle me dit j'ai peur que ce soit une phlébite, donc on va aller aux urgences. Donc voilà, arrivé aux urgences. Franchement, pour une fois, on n'a pas attendu. J'ai été prise directe et tout. Sauf qu'il voit que j'ai une phlébite, effectivement, il dit oui, c'est une phlébite. Donc phlébite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros une veine qui se bouge, donc avec un petit caillot de sang, parce que le sang coagule mal. Et en gros, bah, c'est ça qui fait que ça enfle. Sauf que. En soi, c'est pas hyper douloureux, je vous dis, ça fait comme un bleu. Mais c'est que ça peut être grave si c'est pas pris en charge à temps. Et en gros, ce caillot-là, il peut remonter, donc ça peut créer une embolie pulmonaire, un AVC. Enfin, en fait, il peut remonter cœur, poumon, cerveau, donc ça peut être assez grave s'il remonte. Le médecin me dit oui, c'est bien une phlébite. Il me prescrit donc une pommade, la pommade Flector, là, et des bas de contention. Moi, à l'époque, je sais même pas ce que c'est une phlébite, donc bon, je prends. Je vais à la pharmacie et ma mère déjà, elle me dit c'est bizarre qu'il ait prescrit que ça, vu l'état de ta jambe, enfin bref. On arrive à la pharmacie et la pharmacienne, elle nous connaît depuis que je suis toute petite. Pour acheter des bas de contention, il faut prendre les mesures, donc elle voit ma jambe. Et là, elle me dit, attends, mais moi j'ai déjà vu des jambes et tout, avec des phlébites. Là, c'est pas un gel et un bas qui va suffire. Donc dites-vous bien que c'est une pharmacienne qui n'a pas trouvé ça normal alors que j'étais aux urgences avec un vrai médecin. De là, elle me dit, je connais... une angiologue, il me semble que c'est ça, celle qui va vraiment faire un écho Doppler pour voir, qui est spécialiste là-dedans. Elle m'a dit, je vais voir si elle n'a pas une place en urgence parce qu'il ne faut pas laisser traîner ça. Donc elle l'appelle, elle avait une place juste après, donc hyper contente, hyper bien. Je me rends à ce rendez-vous et en effet, elle me dit, oui, c'est bien une phlébite. C'est pas normal qu'on vous ait laissé repartir avec juste une pommade et un bas de contention. Elle me met du coup sous Arextra, donc anticoagulant, des piqûres pendant un mois. Au final, un mois après ça, j'ai refait une mini phlébite, donc je suis repartie sur 2 mois, donc en gros 3 mois de piqûres. J'étais hyper contente. Le bon côté des choses, c'est que pendant les 1 mois, c'était une infirmière qui venait, et puis après, je me suis dit, vas-y, 2 mois, c'est pas possible, je bouge tout le temps. Pendant 2 mois, après, c'est moi qui me faisais moi-même mes petites piqûres. Ça a un peu guéri ma phobie des piqûres. Des piqûres, je dis bien, parce que les prises de sang, c'est toujours pas possible. Ma mère, hyper remontée, elle a fait une lettre pour les urgences et pour le médecin, pour dire que c'est pas normal, parce que... Comme je vous l'ai dit, si on traite pas ça et que ça remonte, bah ça peut être fatal et ça peut avoir des effets irréversibles. Bref, me voilà sous anticoagulant. Et puis surtout, le docteur, donc l'angiologue, me dit « ce n'est pas normal à votre âge de faire ça. En général, c'est plus des choses qui arrivent aux mamies, aux gens qui fument. Enfin, vous avez une très bonne hygiène de vie, donc c'est pas normal. » Du coup, elle me dit « est-ce que vous êtes sous contraception ?» Donc, je lui dis « oui, je prends la pilule. Laquelle ?» Diane 35. « Et bah c'est fini pour vous, les pilules. » Je sais plus exactement, il y a 2 sortes de pilules, mais en gros, tout ce qui est hormones, pour moi, c'est terminé. Et là, en fait, la seule chose, j'étais encore bête, hein, mais la seule chose que je me dis, c'est comment je vais faire? Parce que je sais très bien que si je l'arrête, je vais avoir de l'acné. Donc comment je vais faire? Et en fait, dans ma tête, c'était hors de question. J'étais vraiment bête. Je lui dis, là, si je m'avais en face, je me mettrais des claques, mais c'est pas grave. Je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas l'arrêter. Donc qu'est-ce que je fais? Je crois que j'ai fait un essai. Et puis, pareil, c'est tout revenu, j'ai vite repris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste que je suis allée voir un médecin auquel je n'ai pas dit que j'avais une phlébite. Donc là encore, c'est pas bien du tout. Et du coup, il m'a prescrit la Diane. Parce qu'à partir du moment où vous dites que vous avez eu des antécédents de maladie cardiovasculaire, il me semble que c'est ça, c'est
proscrit, donc c'est plus possible. Donc je l'ai pas dit, donc voilà, me revoilà sous pilule, etc. Et puis je continue ma vie. Et puis je rencontre mon copain actuel qui pour moi est quand même un grand soutien. Et là je me dis, parce que je sais qu'on a des projets, je sais qu'on parle d'enfants, pas dans les médias, mais peut-être dans les 3 ans à venir. La seule chose que je me dis, c'est que le jour où je vais l'arrêter, ça va être une galère. Et je me dis, on va faire les choses maintenant pour pas le jour où vraiment tu veux un enfant ou quoi, te dire bah mince. Et puis je commençais vraiment à me renseigner aussi au-delà de ça, à voir que c'est mauvais et que voilà, c'est que du poison. Et je me suis dit bon, t'es avec quelqu'un qui te soutient. Et du coup j'avais moins peur, entre guillemets, c'est bête hein, mais j'avais moins peur d'affronter l'acné parce que j'étais avec lui et que je sais qu'il me soutiendrait et qu'il me trouverait belle quoi qu'il arrive, que de le faire avant toute seule, j'avais pas la force. Vraiment c'est bête mais c'est ça. Du coup j'ai le déclic et puis il vient un jour en plus, je mets, vous savez, les petites boîtes à questions sur Insta, et où je vous demande si vous avez déjà pris la pilule et si vous avez eu des soucis avec, comme moi j'ai pu avoir. Et là, à ma grande surprise vraiment, pour être honnête, parce que je me disais, allez, je vais avoir peut-être, vraiment, je me disais 5 témoignages max de filles qui ont eu comme moi, ou plus grave. Mais je m'attendais pas à tout ce que j'ai eu. Et vraiment, j'en ai eu peut-être une quarantaine, cinquantaine, sans mentir. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, c'est hyper dangereux, il n'y a pas que moi. Ça vise pas qu'une femme sur je ne sais combien, non. Je sais pas, je saurais pas dire de chiffres, mais vraiment, je m'attendais pas à avoir autant de messages de votre part de filles à qui c'est arrivé. Il y en a où c'était juste des phlébites, mais il y en a où c'était des AVC, il y en a c'était des embolies, il y en a c'était bah, du coup suite à un AVC paralysé, il y en a où c'était cancer, et puis il y en a où c'était carrément... voilà. Là, je me suis dit vraiment, réveille-toi ma cocotte. C'est là en fait où j'ai pris conscience de tout ça, où je me suis dit, ta santé, ta vie, elle est plus importante que de l'acné au final. Alors qu'avant, vraiment, je me disais, c'est pas grave, au pire j'aurai une phlébite, je me referai des piqûres. Je préférais ça que me dire j'ai de l'acné. Et bref, donc j'ai ces déclics parce qu'en plus je me dis, attends, ça fait quand même 10 ans que tu prends la pilule, donc 10 ans c'est pas rien, 10 ans c'est énorme. Et puis je lis énormément et je vois qu'il y a des filles qui font l'arrêt progressif. Donc l'arrêt progressif, c'est un peu comme les gens qui prennent de la drogue, etc. On va faire un espèce de sevrage où on va arrêter progressivement la pilule, donc par exemple... Au début, vous la prenez tous les jours, ensuite vous la prenez 3 jours sur 4, ensuite 2 jours sur 3, ensuite 1 jour sur 2, etc. J'ai essayé de faire ça, honnêtement, inutile pour moi, je trouve, parce que j'ai eu aucun effet secondaire pendant que j'ai fait ça. Et quand je l'ai arrêté vraiment totalement, là, c'est tout apparu. Donc, en fait, pour moi, c'est juste retarder les effets et perdre du temps. Donc, si c'était à refaire, je ne le referai pas, j'arrêterai directement. Je l'arrête directement, c'était en février dernier, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant, parce que du coup, ça fait un an pile que je l'ai arrêté, sans grande surprise, même si j'espérais de tout cœur et que j'avais pris mes précautions, entre guillemets, j'espérais de tout cœur éviter ça. Donc voilà, avec de l'acné, un mois et demi après, j'en ai eu un peu, vraiment un tout petit peu, genre 3-4 bien présents, mais 3-4 ici, 3-4 ici. C'est reparti, ensuite j'en ai eu un peu sur le front, genre hyper granuleux, c'est reparti. Ensuite hyper ici, c'est reparti, ensuite là. En fait ça n'arrêtait pas de changer, des fois ça va, des fois ça va pas du tout. J'avais pris mes précautions dans le sens où j'ai vraiment essayé de faire des choses naturelles. Pour moi c'était plus du tout concevable que je prenne du chimique, que je bousille encore plus mon corps qu'il ne l'était. Donc tout ce qui est Roaccutane, c'est hors de question. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, pour moi Roaccutane c'est dangereux. À partir du moment où tu sais que déjà le médicament peut te faire rendre dépressif, pour moi il y a un truc qui cloche. Ensuite... Pendant un an, tu ne peux pas avoir d'enfant, il faut faire des prises de sang. Et pendant quelques mois après le traitement, tu ne peux pas avoir d'enfant non plus parce qu'il risque d'être déformé. Pour moi, je me dis, attends, quand même, c'est invraisemblable. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé de prendre Acnavance. Je pense que ça peut fonctionner sur des personnes, mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé tout ce que préconisait Peau Neuve, donc je vous invite à aller la voir parce que je sais que, par contre, il y a plein de filles qui ont testé suite à mes conseils et qui en ont été hyper contentes. Donc Peau Neuve, elle a un blog où elle détaille tout ce qu'elle préconise pour l'acné. Donc il y a la tisane de sa marque, donc c'est la marque Glow Up et c'est la tisane Rebelle qui est conçue pour ça. Moi pareil, ça n'a pas marché mais vous comprendrez après pourquoi. Et puis surtout une routine naturelle à faire à la maison avec que des produits naturels de chez Aromazone. Donc ça c'est juste top. Moi je fais le gel anti-acné que j'adore. Donc j'ai essayé tout un tas de choses, le zinc, la chlorophylle, le truc de pamplemousse. Rien n'a marché, qu'on se le dise, rien n'a marché. En été c'était la catastrophe, vraiment je pouvais plus, je pleurais. Je me rappelle d'une scène, on était à Zanzibar, on était dans un endroit magnifique. En fait je voulais faire un vlog, j'en ai sorti un mais il y a plein de passages que j'ai enlevés parce que mon chéri me filmait. Et forcément Zanzibar tu te maquilles pas, t'es en vacances, t'es au soleil, tu vas pas te mettre ça sur le visage. Et en fait quand je me voyais, que je voyais mon acné, je me dégoûte. C'était horrible, vraiment, il n'y a que ceux qui peuvent en avoir qui peuvent comprendre. Vraiment, j'avais envie de me cacher. Rien que pour ça, j'étais contente qu'il y ait le masque obligatoire parce que de le mettre et de pouvoir cacher ça, c'était génial pour moi. Je me suis effondrée dans la piscine parce que je me suis effondrée en pleurs et même il était choqué, il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui ai dit « Je me dégoûte, j'ai de l'acné, je me dégoûte, c'est horrible, ça va jamais partir, je suis moche, tu dois me trouver moche. » Donc lui, il m'a réconfortée comme il pouvait, il était trop chou, mais...
pour dire que vraiment ça peut être très pesant. Et je me rappelle même des scènes quand j'étais en BTS et que l'acné était revenue suite à mon mini arrêt. Je me cachais, genre les matins je me levais, t'as des boutons, t'en as un blanc là, tu touches un peu, tu veux te remaquiller par-dessus, c'est horrible. Des fois c'est encore pire avec du maquillage dessus. C'est des périodes hyper, hyper difficiles et comme je dis, il n'y a que ceux qu'on a qui peuvent comprendre le mal-être que c'est. Parce que tu as l'impression que les gens te voient sale. Enfin, je sais pas, que tout le monde voit que ça. Moi, je me rappelle, j'allais prendre mon tram, j'étais comme ça, je me cachais. Vraiment, je crois que le pire, c'était vraiment l'été. Vraiment, c'était le pire niveau acné. L'été, j'ai vu une dermato qui n'a servi strictement à rien. Elle m'a prescrit du zinc, je lui ai dit que j'en avais déjà pris. Elle dit, c'est pas grave, on va tenter quand même. Bref, le zinc n'a rien fait. Des pommades et tout, plein de trucs chimiques. J'ai essayé deux jours, ça m'a fait peler toute la peau, c'était horrible, j'ai arrêté. Elle m'avait fait faire un bilan sanguin. J'ai vu, moi, qu'il y avait un taux qui allait pas, qui me semblait anormal. Pour elle, il n'y avait rien d'anormal. Ok. Du coup, j'ai passé mon chemin. Très clairement, j'allais pas perdre mon temps encore et lui donner de l'argent. Parce qu'elle m'avait dit, oui, ça marche pas, vous revenez. Non. Du coup, je suis allée voir une naturopathe. Elle m'a prescrit des choses naturelles à faire. Je sais pas trop, honnêtement, si ça a marché. Parce que, comme je vous le dis, il y a des jours où ça va, des semaines où ça va, des semaines où ça va pas. Et puis, un jour, une copine à moi partage un compte Instagram dans sa story. Donc, le compte d'Ocine, qui est un biochimiste nutritionniste et qui, en gros, a monté un peu un système de santé à part. Son post, je crois qu'il parlait d'acné, mais après, j'ai vraiment lu tout son Instagram et il n'y a pas que l'acné. Il y a par exemple, je sais pas, des problèmes de poids, des problèmes de perte de cheveux, de motivation, de fatigue, enfin plein de choses en fait. Et en fait, c'est pas juste quelqu'un où on va aller, il va traiter le symptôme. Parce que moi, jusque présent, dès que j'ai eu quelque chose, que ce soit mes phlébites, que ce soit l'acné, j'ai fait aussi deux calculs, on traite les symptômes en fait. Voilà, sur le moment, hop, tu mets ça, hop. Mais personne n'a cherché à savoir la cause. À mon âge, c'était pas normal d'avoir tout ça. Et l'acné, ça résulte forcément de quelque chose à l'intérieur qui va pas. Je me lance. Donc il faut savoir que déjà il faut être patient parce que c'est assez long, la procédure, etc. Parce que je pense qu'ils sont pas assez nombreux et qu'il y a énormément de demandes. Que c'est assez coûteux parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale et il y a des analyses à faire, des rendez-vous, etc. Et que voilà, il faut prendre son mal en patience. Mais moi j'y crois. Vraiment j'y crois parce que c'est, comme je vous dis, c'est la première fois où vraiment on s'intéresse. On décortique tout et on essaye vraiment de savoir le pourquoi du comment, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. La première chose à faire, et ce que je trouve normal, avant de prescrire ne serait-ce qu'une pilule à une gamine qui est au collège, c'est un gros bilan. Donc on fait un gros bilan sanguin avec des choses que je n'avais jamais vues dans mes gros bilans auparavant. Donc des taux qui ne me parlent pas. En plus de faire un bilan sanguin, on fait un bilan urinaire, chose qui est hyper, hyper rare. Quelques mois après, j'ai rendez-vous avec Ocine, donc c'est par téléphone, parce qu'il est sur Marseille, donc c'est à distance, où il va en gros m'interpréter toutes mes analyses, m'expliquer ce qui ne va pas, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Là, il est sur mes analyses. Première page, ça va. Moi, franchement, honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils me disent on va arrêter le gluten ou on va arrêter le lactose. Franchement, je m'attendais à un truc comme ça, vraiment. J'étais sûre et certaine que ça allait être ça. En fait, il lit la première page, donc ça va, ouais, peut-être un peu la vitamine D, etc. Et puis, on arrive sur la deuxième page, et là, il me dit, ah ouais, ok. En gros, il m'a dit, votre corps est en vieillissement prématuré. Il y a des taux qui sont ceux d'une personne de 70 ans, donc c'est pas normal. Ce qu'il y a qui n'allait pas. J'ai pas tout en mémoire, mais en gros, j'ai le plus important. Donc, il y a la DHEA, qui est l'hormone de la motivation, et qui va aussi jouer sur la qualité de la peau. Et moi, j'en avais, enfin, elle est très basse, alors qu'à mon âge, normalement, elle devrait être beaucoup plus haute. Donc, il y a ça qui n'allait pas. Pareil, la testostérone est très basse, alors que même si on est une femme, on doit avoir un peu de testostérone. C'est ce qui va donner l'envie, la motivation, la libido, etc. Donc, c'est aussi important. Prénénélone, je ne sais pas si je le dis bien, donc ça, c'est l'hormone de la mémoire, il me semble. Ensuite, il y a la transcortine, je crois. Et il y a aussi l'iode. Pareil, ça, je ne l'avais jamais vu, alors que c'est quelque chose, comme j'ai pu le voir dans ses publications et comme j'ai pu le lire ailleurs aussi, qui est très important. L'iode, ça va jouer par exemple sur la frilosité, mais ça va peut-être aussi jouer un peu sur l'envie, sur la motivation, etc. Et puis surtout, ça va jouer quand on est enceinte et qu'on attend un enfant. Si elle est trop basse, ça peut amener chez l'enfant une taille plus petite que la moyenne et aussi un cerveau moins développé, on va dire. Peut-être pas jusqu'aux maladies mentales, mais qui sera un peu en retard, quoi. Il y aura des difficultés à se concentrer, etc. Donc je trouve ça quand même important et je me dis, j'ai pas l'impression que mes copines qui sont enceintes à l'heure actuelle, elles m'aient déjà parlé de l'iode ou leur médecin leur en ait déjà parlé. Donc puis le dernier taux qui ne va pas et que j'avais vu chez ma charmante dermato, c'est la progestérone. La progestérone qui est presque à néant, alors que bah, je suis jeune, que c'est l'hormone féminin, quelque chose qui sert en fait en gros à préparer votre utérus le jour où vous allez avoir un enfant, à accrocher l'embryon, et il me dit, bah, s'il n'y a pas de progestérone, en gros, ça crée des fausses couches. Et pareil, pour une petite anecdote, parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai déjà fait une fausse couche, et c'est vrai que quand j'étais à mes rendez-vous médicaux, j'ai demandé, j'ai dit,
Ouais, mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que le jour où, voilà, où je voudrais un enfant, est-ce que ça peut m'arriver? Enfin, on sait pourquoi. Oh, on sait pas, non, ça arrive de temps en temps, ça arrive et tout. Bref. Comme je vous le dis, on traite le symptôme, on traite jamais la cause, on cherche jamais à savoir pourquoi, c'est pas normal, mais on... ouais, pas grave. Et il me dit, en fait, vous m'avez contacté pour l'acné, mais là, je vois vraiment des problèmes, entre guillemets, plus graves et plus importants à traiter que l'acné. Donc peut-être qu'en traitant tout ça, ça va jouer sur votre acné, il y a des choses plus urgentes. Et vraiment, si j'étais pas allée le voir, comme ça serait allé de plus en plus mal. Par exemple, le taux que j'ai de DHEA, c'est celui d'une personne de 70 ans ou celui d'une personne en burn-out, donc pour vous dire. Et pareil, il explique très bien que souvent dans les prises de sang, vous savez, on a des taux de référence pour voir si on est en dessous ou au-dessus. Mais je trouve que il explique, et moi aussi je trouve que c'est débile, parce que qu'on prenne, je sais pas, une fille de 18 ans et un homme de 80 ans, ça sera les mêmes taux, alors que non. Ces personnes-là, elles n'ont pas à être dans les mêmes taux. Il y a des choses qui sont... Vous voyez? Et lui, il s'adapte vraiment au cas par cas. Et surtout, il m'a expliqué ce qui n'allait pas, pourquoi, ce qui avait pu entraîner ça, nanani nanana, et ce qu'on allait faire, donc les compléments que j'allais prendre. C'est pour ça que quand on me demande qu'est-ce que tu prends pour l'acné, je ne réponds pas, parce que déjà, c'est pas pour l'acné, c'est pour des taux qui ne vont pas chez moi suite à un bilan, donc ça ne sert à rien de prendre ce que je prends. Et je sais pas si vous le savez, mais se supplémenter, c'est bien, mais prendre trop de quelque chose, ça peut être aussi mauvais. Donc il faut faire attention, faut pas prendre tout et n'importe quoi sans savoir, sans se renseigner. Par exemple, prendre trop de fer, ça peut être mauvais. Comme prendre trop de zinc, ça peut être mauvais aussi. Donc il m'a prescrit des choses à prendre, donc des compléments, etc. Là, j'en suis à un mois et demi à peu près. Je ressens les effets, je vais dire, sur tout ce qui est motivation, humeur, etc. Parce que c'est vrai que j'avais souvent des coups de mou. Pour être honnête, j'avais souvent des coups de mou, des jours où ça allait pas, très peu motivée, très peu d'envie, etc. Et là, ça commence à aller mieux, je le sens, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'entraînement, que ce soit. Enfin, vraiment, je le ressens. Et puis pour la peau, comme je vous dis, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, donc là, je suis maquillée. J'ai l'impression que je commence à réussir à aller mieux. Je commence aussi à trouver une très bonne routine qui est, je pense, adaptée. Et du coup, je pense que tout ça fait que ça va mieux. Je touche du bois, enfin, je touche ma tête, mais j'ai peur parce que chaque fois que je dis ça, chaque fois qu'avec mon copain, on se dit, ah, ça va mieux là. Bah, 2 jours après, c'est. Donc, on verra. C'est la première fois où vraiment, comme je vous dis, on s'intéresse à ce qui a pu se passer, ce qui se passe et pourquoi. Enfin, comme je vous dis, on traite les causes, pas les symptômes. Et pour moi, c'est important. On peut pas être sûr à 100%, mais ça peut être la pilule. En fait, c'est pas normal qu'à cet âge-là, le corps soit comme ça. Il y a forcément quelque chose et ça serait du coup la pilule. C'est pour ça que j'essaye de mettre en garde. C'est comme un fumeur, par exemple. Il y en a qui vont fumer toute leur vie, ils vont jamais rien avoir. Il y en a qui vont jamais fumer, ils vont avoir un cancer du poumon. On peut pas savoir. Ce que je veux dire, c'est que au moins vous serez au courant. Après, c'est vous et vous-même. Mais moi, je veux plus. Je l'ai fait pendant des années, mais je veux plus prendre ce risque. En fait, je veux plus me dire je mets ma santé en danger. Regardez là, si j'avais pas été consultée, et ben le jour où j'aurais voulu avoir des enfants, j'aurais fait une fausse couche, deux fausses couches, trois fausses couches. Ça se trouve déjà, j'aurais fait une dépression depuis parce que vu mes taux machin. Mais bref, j'aurais fait fausse couche, fausse couche, fausse couche. Et puis après, enfin vous imaginez. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir vu cette personne et d'être en train de régler ce qui ne va pas. Je sais qu'il y a aussi des filles qui ont des questions sur du coup la contraception, qu'est-ce que je prends? Déjà, je veux plus prendre d'hormones, ça je pense que vous l'avez compris après cette vidéo. En fait, pour nous les femmes, si on veut pas d'hormones, il y a que le stérilet en cuivre ou les capotes, donc c'est génial. Honnêtement, au début, je m'étais dit je vais prendre le stérilet en cuivre parce que sachez que les implants et tout, c'est plein d'hormones, c'est dégueu aussi. Donc je me suis dit je vais prendre un stérilet et en fait, j'ai été rendez-vous chez ma sage-femme qui est très très bien, mieux que les gynécos que j'ai eu avant. Elle m'a montré comment ça se mettait, en gros, elle m'a tout montré. Et là, j'ai tourné de là et j'ai dit, c'est pas possible, je me sens pas prête. Donc, concrètement, je ne prends plus aucune contraception. On fait attention, je calcule mes cycles. Et puis sinon, il y a le retrait. Je sais qu'il y en a qui critiquent ça, mais pour l'instant, c'est ce qui me convient, c'est ce qui nous convient. J'ai pas envie d'autre chose. Donc, on verra par la suite, mais pour l'instant, ça nous va très bien. Pareil, je reçois beaucoup de messages et je sais que c'est très gentil de votre part. Ouais, teste ça, tu devrais tester cette crème, tu devrais faire. Le pire, c'est la brosse Nu Skin. Alors ça, j'en ai bouffé, mais j'en ai eu tous les jours. Ce complément, cette crème-là, ce truc-là, c'est trop. Et puis le pire, c'est Roaccutane. Ça, vous l'avez compris, je ne veux pas entendre en parler. Mais le truc, c'est que tous les produits que je vais mettre, ça va canaliser, ça va aider et tout. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Comme je vous dis, là, on traite juste les symptômes. Et moi, je sais que vous voulez bien faire, mais je sais que sur moi, ça ne changera rien. Et je connais ma peau, je sais qu'il y a des choses, c'est impossible. J'ai une peau sensible. Je vais vous montrer ma routine que j'ai trouvée après et qui est vraiment pas mal. Du coup, je vais vous donner tous mes petits conseils que j'ai mis en pratique et qui sont pas mal, je trouve, qui peuvent peut-être vous aider. Donc, dans un premier temps, je vous conseille, si vous n'avez pas testé, c'est de faire la tisane, donc Rebelle de chez Glow Up. Je vous mettrai les liens en barre d'infos,
qui a aidé beaucoup d'entre vous, je le sais parce que je l'avais conseillé et elles ont beaucoup aimé, donc je vous conseille ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de limiter tout ce qui est sucre, donc trop sucré, trop gras, ça on limite. Personnellement, je ne mange jamais de cochonneries, de sucreries, de choses industrielles, de choses transformées, ça c'est pas du tout possible. Et je sais que ça peut jouer sur l'acné parce que ça va jouer sur l'inflammation, en fait ça va nourrir tout ça, donc on évite. Pareil, on peut essayer de limiter le gluten et essayer de limiter le lactose. Et en plus, votre santé, votre corps s'en portera mieux, croyez-moi. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, si on mange des pâtes, c'est une fois par semaine, pas plus. Le pain, c'est très rare. Quand je fais des gâteaux, etc., j'essaye de prendre du lait d'amande, de la farine de riz, de la farine de patate douce. Essayer de limiter le gluten. Et du coup, voilà, de me pencher vers le riz, vers les pommes de terre, les choses comme ça. Boire beaucoup. L'hydratation, c'est important. Moi, je bois énormément. J'essaie de boire le plus possible. C'est très important et ça peut jouer énormément sur la qualité de la peau. Si vous fumez, bah, il n'y a pas de secret, on essaie d'arrêter. Le sport, ça permet d'éliminer les toxines, de transpirer, etc. Donc c'est très bien aussi pour la peau. Ensuite, il y a tout ce qui est hygiène. Quand je dis ça, c'est plus tout ce qui est linge de maison. C'est-à-dire les serviettes avec quoi on va s'essuyer, avec quoi on va s'essuyer le visage. Ça déjà, on évite. On essaie d'éviter au max de mettre sur son visage sur une serviette. Parce qu'une serviette, c'est humide, ça sèche, c'est plein de bactéries. Il n'y a rien de pire, l'humidité, la chaleur pour développer tout ça, donc on met le moins possible sur son visage. Et puis on change tous les 3-4 jours. Vraiment les serviettes, c'est pour moi c'est le pire. Le linge de lit, donc surtout les têtes d'oreiller. Moi j'ai des têtes d'oreiller en soie que je change toutes les semaines. Je trouve que c'est très important aussi. La soie, ça, c'est très bien pour ce qui est acné, pour ce qui est cheveux, etc. Donc ça a plein d'avantages et puis c'est hyper agréable. Et ensuite, je vais vous donner toute ma routine qui pour l'instant fonctionne, j'en suis très contente. Et ça m'a permis d'avoir une plus jolie peau. Elle paraît beaucoup plus hydratée, vraiment en meilleure santé. Moi, j'ai un effet bonne mine que j'avais pas il y a un petit moment parce qu'avec l'acné, etc., j'avais la peau qui marquait beaucoup. Il y avait des zones de sécheresse, mais il y avait des zones qui brillaient. Enfin, c'était une catastrophe. Et là, depuis que je mets ça en place, je suis hyper contente. Et pareil, mes marques commencent à disparaître. Vous savez, j'avais des marques sur les joues à cause de l'acné. Le matin, quand je me réveille, je ne l'ai pas dit, mais on se lave les mains tout le temps avant de toucher son visage. La plupart du temps, allez, 99% du temps, je vais passer mon petit hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est naturel, j'en trouve sur Aromazone. J'aime bien changer à chaque fois pour voir lequel je préfère. Je le prends avec un petit coton lavable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un jetable. Et puis je le passe sur tout mon visage. C'est hyper agréable, c'est frais et ça évite de mettre du savon, d'agresser sa peau, du calcaire dès le matin. Il n'y en a pas forcément besoin. Si vous n'avez rien mis de fou la veille, ça suffit largement. Ensuite, je vais mettre mon sérum. Donc je l'ai depuis pas longtemps, mais vraiment, c'est lui qui a changer la texture de ma peau parce que je vous dis avant quand je me maquillais ou même quand je me maquillais pas mal, ma peau était hyper sèche, pas du tout glowy, enfin vraiment je la trouvais horrible. Et ce sérum franchement il m'apporte une peau géniale et même la douceur, c'est incroyable. Donc c'est le sérum de chez Patika, je l'ai pris sur Oh My Cream et d'ailleurs sur ce site il y a des très bons produits. Il est génial vraiment, ça apporte une texture, enfin la peau est vraiment mieux juste après, on sent que la peau... C'est comme si elle avait bu en fait. Elle est toute repulpée et tout, c'est génial. Juste après, je vais appliquer ma crème de chez Jonzac. Donc c'est une crème hydratante. Vous avez plusieurs gammes. Moi j'ai pris pour les peaux sensibles parce que j'ai une peau sensible qui a tendance à rougir, etc. Et donc celle-ci, elle me convient parfaitement. Ça c'est pour les jours où je me maquille pas, soit 5 jours sur 7 ans, à peu près. Et ensuite, je vais mettre ma crème solaire. Donc ma crème solaire, c'est une Madeira. J'ai galéré pour trouver une bonne crème solaire parce que qu'on se le dise, les crèmes solaires, la plupart, ont une compo dégueu de chez dégueu. Et puis, la plupart du temps, ça va boucher vos pores, ça va faire un effet comédogène, ça va faire des boutons, etc. Donc là, vraiment, pour une fois que j'ai trouvé une belle crème solaire qui a un beau rendu et qui a une bonne compo, c'est hyper rare. Moi, j'ai pris une petite teinte. Et du coup, les jours où je ne me maquille pas, je trouve que ça fait vraiment une petite peau. Alors, ça ne fait pas du tout une bébé crème ou une crème teintée, c'est très léger. Une fois que vous l'appliquez, ça ne doit limite plus, mais... Ça fait quand même un petit peu plus joli que si on l'avait pas mis, donc franchement c'est tout bénef. La crème solaire, je vous le rappelle, ça a plein de bons effets sur déjà le vieillissement de la peau, sur les rides, etc. Vous pouvez aller voir sur internet, il y a une photo qui est hyper connue, quelqu'un qui a jamais mis de crème solaire sur une partie de son visage et alors que l'autre partie n'a jamais été exposée, c'est ouf la différence. Donc c'est très très important de se protéger et même en hiver, même quand on a l'impression qu'on voit pas le soleil, perso, il y a des jours... où ma seule sortie, c'est d'aller au sport parce que je travaille à la maison, alors que je sors 5 minutes de ma voiture et je fais un trajet de 20 minutes. Mais vraiment, depuis que je le fais, j'ai vu une différence. Donc c'est pas une blague, il faut mettre de la crème solaire. Je suis en plein montage et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas dit le principal, c'est que depuis que je mets la crème solaire tous les jours, vraiment tous les jours sans exception, mes taches d'acné ont vraiment, vraiment diminué. J'en ai quasiment plus et j'en ai plus aucune qui apparaît, donc c'est vraiment hyper important. Vraiment, on me l'avait longtemps conseillé et j'ai longtemps repoussé la chose, mais depuis que je le fais, je vois vraiment la différence et je peux que vous le conseiller.
Quand je me maquille pas, c'est ceci. Et quand je me maquille, juste je change la crème parce que je trouve que la Jonzac est très bien quand je me maquille pas. Mais quand je me maquille, il faut un truc un peu plus riche, on va dire, pour que le maquillage craquelle pas et fasse pas sec. Donc je prends la Embryolisse, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'essaierai de vous mettre une photo. Et puis je me maquille et puis nickel. Pareil pour le maquillage. Pour le fond de teint, j'ai essayé vraiment de trouver quelque chose de clean et je fais un mélange de deux produits. Le nouveau fond de teint de chez Sephora qui a une assez bonne compo, qui est hydratant et qui est hyper bien. Genre, je l'adore, la texture est vraiment top. Et un mélange avec la BB crème de chez Jonza qui a aussi une très bonne compo, mais qui est peut-être un peu trop légère et un peu trop sèche. Donc je trouve que le combo des deux, c'est génial. Parce qu'avant, je pensais qu'il fallait mettre quelque chose d'hyper couvrant. Le truc, c'est que ça marque encore plus les boutons et que ça assèche. Alors que quand je fais ça et que je mets juste un peu d'anti-cerne sur les boutons, sur les rougeurs, etc., c'est nickel, vraiment. J'ai une très jolie peau et un très joli rendu, alors que si je mets un fond de teint trop couvrant, c'est horrible. Quand vient le soir, donc deux solutions pareilles, si je me suis maquillée ou si je me suis pas maquillée. Donc si je me suis maquillée, je vais me démaquiller avec l'huile démaquillante de chez Caudalie. Elle est bien notée, elle a une bonne compo, et puis elle est hyper agréable. Il suffit de la mettre donc sur votre visage, vous massez. Et puis une fois que vous avez bien massé, que tout est à peu près parti, vous passez sous l'eau pour tout faire partir. Et c'est génial, en plus il n'y a pas besoin d'utiliser de coton, donc moi j'adore. Et puis après je prends mon éponge Conjac, donc que j'ai prise sur Aromazone, ça c'est génial pour vraiment venir frotter et enlever. Et enlever dans tous les pores, dans toutes les petites ridules, ce qui pourrait rester de fond de teint, de pollution, etc. C'est vraiment génial. Et puis surtout c'est naturel et ça a plein de vertus. Et j'alterne donc soit avec un gel moussant, donc sans savon. Donc j'ai celui de chez Jonzac ou celui de chez Hello Body que j'aime bien. Et sinon, j'ai le savon d'Alep à 30 ou 40%, je sais plus, que j'alterne et que j'utilise deux fois par semaine environ parce que le savon, c'est pas hyper bon non plus d'agresser trop sa peau avec ça. Si je me suis pas maquillée, j'utilise pas l'huile démaquillante ni l'éponge Conjac, sauf si j'ai trop été dehors dans la pollution et que je sens que j'ai besoin de vraiment nettoyer en profondeur. Mais sinon, voilà, ça reste juste avec le gel lavant ou le savon d'Alep. Pour pas finir sur de l'eau et du calcaire, je vais passer ma brume d'eau minérale de chez Jonza qui est super. Et ensuite, plusieurs solutions parce que je ne vais pas pareil tous les soirs. La plupart du temps, je vais mettre mon sérum hydratant de chez Patika, puis par-dessus une crème hydratante. Donc j'ai une de chez Lidl qui est hyper bien notée, qui a une bonne compo, qui est à moins de 2 euros, elle est super. Et puis j'ai un petit produit, je vous mettrai en photo parce que je ne me souviens plus du nom, que j'ai eu à Forever Institute qui est génial pour mettre en fait sur les petits boutons quand vous sentez qu'il y en a un qui arrive ou qui est là. Vous mettez uniquement là-dessus et en fait ça va le faire sécher direct, c'est génial. Un autre soir, je vais faire, si j'ai vraiment, des fois il y a des jours où vous savez, j'ai l'impression que j'ai plein de petits boutons de partout, et ben là je vais mettre mon gel que j'ai fabriqué donc avec la recette de peau neuve avec les produits Aromazone. Vous mettrez le lien en barre d'infos de la recette. Et puis après, un autre soir, donc ça c'est une seule fois par semaine, je vais appliquer mon rétinol. Donc le rétinol, c'est hyper intéressant parce que c'est préventif pour le vieillissement, donc pour les rides, mais aussi pour l'acné. Donc sur toute la qualité de la peau au final. Et après, quand ça a bien pénétré, séché, je vais mettre ma crème hydratante et puis voilà. Et puis une fois par semaine, je fais des masques hydratants, donc de chez Jonzac aussi. Et des fois, j'aime bien faire des masques carrément d'aloe vera quand je sens que ma peau en a besoin. Ça calme tout de suite, ça répare la peau, ça hydrate, ça a vraiment plein de vertus. Donc l'aloe vera, c'est génial, je le prends pur sur Aromazone. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai volontiers. Pareil, si vous pouvez donner votre avis, vos expériences sur la pilule, sur l'acné, ça serait super. Comme ça, on pourra en parler tous ensemble. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.